Voilà, j'ai trouvé mon petit coin pour midi et pour me reposer un petit peu, hein, reprendre des forces. En général, à midi, je mange léger, mais là, j'ai très faim. Mais bon, je vais quand même commencer par une petite bière, hein, que j'ai achetée à Villard-de-Lans. Elle s'appelle la Goudal. Connais pas. Et avec un saucisson de d'Ardèche, allez, un petit apéro pour midi. Et cet après-midi, je vous amènerai à un point de vue vertigineux, mais ça vaut le détour. Une petite table de pique-nique. Je sais pas si elle doit bien servir encore maintenant. Elle est pas mal endommagée par le temps. Je pense avoir pris assez d'eau pour mon repas de midi. Vu que c'est juste une randonnée de journée, je vais rentrer très tard, vers 20h, 21h ce soir. Bien, je vais goûter cette bière, la Goudal, bière blonde à l'ancienne, bière de haute fermentation. Oh, je m'en doutais un peu, dans le sac à dos. La bière a remué un petit peu. Hein. Et je vais faire chauffer mon eau. Je me refais des nouilles. C'est bien. Avec les nouilles, ça prend pas beaucoup de place dans le sac à dos. Il y a des fois, je suis parti 2 jours. Et pour m'alimenter suffisamment. J'ai pris plusieurs sachets de nouilles à différents saveurs et des petits extras à côté, mais voilà, au niveau du poids du sac à dos, quand vous ajoutez de quoi boire, de l'eau pour faire chauffer mon café ou justement faire les nouilles, quand on ajoute tout et le matériel de vidéo, à la longue, on se retrouve avec un sac à dos qui fait 15 kilos. Ouais, voilà. Ce que j'ai toujours entendu, nous les randonneurs, la hantise qu'on a, c'est le poids. Donc on fait tout pour avoir le matériel le plus léger possible. Mais bon, il y a des moments où on ne peut pas éviter. Le surpoids, enfin, surtout au niveau de l'alimentation. Ah, ben ça tient entre les deux rayons. Qu'est-ce que je suis bien? Je suis un peu dans un coin isolé, là, loin de la rivière. Tout en continuant mon chemin, ça me permet de décompresser, de penser à autre chose. Après ça, je rentre chez moi ce soir, voilà, et toutes les vidéos qui sont dans la caméra, je les transfère sur mon ordinateur et je commence à faire le montage vidéo du PC.
Mais ce que je vais faire, je vais laisser infuser. Très consistant, surtout quand on marche, il faut s'assurer d'avoir de bonnes calories. Allez. Ah oui, je ressens bien la saveur du poulet. Hein. Ah oui. Avec les saucisses de Strasbourg, ça va faire un excellent mélange. Ça manque un tout petit peu de sel quand même. Heureusement que je suis équipé. Voilà, un tout petit peu. Cette assiette de la même matière que ma tasse, que je vous ai déjà parlé. Un mélange de bois et de plastique. Les autres personnes que j'ai croisées sur le parcours, ils ont dû prendre un autre itinéraire. Parce que depuis que je me suis installé ici tout à l'heure, pour ma pause de midi, ben j'ai croisé personne. Oui, bon. Bien, comme d'habitude, je vais préparer un petit café et puis reprendre mon chemin parce que ma petite randonnée de 7 à 8 km n'est pas finie, j'en ai fait juste le trois quarts du parcours. J'aurai largement le temps de finir ma petite randonnée et de vous montrer le reste que je souhaite montrer dans cette vidéo.